Merci de ce final de thème. Il est 13h05 dans le sac de Kulikuruk, même heure à Tournant dans le sac de Blanc. Le journal, Isaac Tinou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. 998 sapeurs-pompiers composés d'élèves sous-officiers et élèves sapeurs de rang ont bouclé leur formation militaire et professionnelle. Ils sont désormais aptes à servir la nation. De nouveaux éléments ont prêté serment en présence de la hiérarchie militaire. Les acteurs de la santé ont mis deux jours à profit pour présenter un rapport provisoire sur les principaux défis pour le financement du RAMI couvrant l'ensemble du territoire. Au terme de cet atelier, des recommandations seront faites sur les enjeux et par les parties prenantes. On parle sport dans ce journal, une actualité qui sera déroulée par Famour Dourté. Il nous parlera surtout de football avec la demi-finale de la Coupe du Mali qui se joue dans quelques heures à Ségou. Il sera également question de championnat national de Ligue 1 et de compétition africaine de clubs. Chronique culture et société, c'est en fin de journal. Alpha Maïga nous fait voyager dans la contrée de Yangasso, dans la région de Sang. Il nous fera découvrir le Borogola, une pratique culturelle ancestrale qui consiste à glorifier la fille. Voilà pour les titres. Je le disais, sortie du contingent 2021 des éléments de sapeurs-pompiers. Au total, 998 élèves composés d'élèves sous-officiers et élèves sapeurs du rang ont bouclé leur formation militaire et professionnelle. Désormais aptes à servir la nation, ils seront redéployés dans les jours à venir dans les différentes unités de la protection civile. Les nouveaux éléments ont prêté serment en présence de la hiérarchie militaire et promettent de servir avec loyauté et honneur le pays. Le point de la cérémonie avec Radio Matina. Composés d'élèves sous-officiers et élèves sapeurs du rang, les 998 éléments du contingent 2021 sont désormais aptes à renforcer l'effectif de la protection civile. Pour y arriver, les nouveaux soldats du feu ont dû faire preuve de courage durant des mois pour relever le défi de la formation militaire commune de base et professionnelle. Lieutenant-colonel Abdourahmane Bagayogo, directeur de l'école de la protection civile. Après la formation militaire commune de base, ces élèves ont suivi une formation professionnelle sapeurs-pompiers bien séquencée, suivant le niveau de recrutement et les défis auxquels ils sont appelés à relever durant leur carrière professionnelle. Il s'agit de la formation d'équipiers sapeurs-pompiers pour les sapeurs du rang, la formation de chef d'agré d'un engin comportant une équipe, pour les élèves sous-officiers. Lors de cette cérémonie solennelle, il y a eu une pensée pieuse à l'endroit des soldats du feu disparus dans l'exercice de leur travail. Avec un effectif de 198 personnes, les élèves sous-officiers, dont le major de la promotion a été Ibrahim Maïga, ont comme parrain feu sergent chef sapeur-pompier Idrissa Dambélé. Et Amadou Karambé a été le major des 800 élèves sapeurs du rang, dont le parrain est feu sapeur-pompier Tcheba Koulibaly. En prêtant serment à l'unisson, il revient désormais au contingent 2021 de se référer à la valeureuse devise de la protection civile, à savoir sauver ou périr. Le recrutement et la formation procèdent de la volonté affirmée des plus hautes autorités de la transition de renforcer le maillage du territoire par les unités de la protection civile afin de rapprocher les secours aux populations. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Aujourd'hui, la protection civile avait besoin de se renforcer en termes de capacité humaine. Vous savez, depuis un certain temps, nous sommes en train de travailler pour essayer de doter les forces de défense et de sécurité en moyens de travail. Le message à l'endroit des 998, c'est leur dire qu'aujourd'hui, ils doivent mouiller le maillot. Ils doivent faire preuve d'engagement patriotique. Va faire preuve d'engagement civique. Plus gros contingent jamais enregistré au niveau de la protection civile, selon les responsables, les éléments du contingent 2021 vont regagner dans les jours à venir leurs différentes unités à travers le pays. Sur un tout autre plan, les travaux de l'atelier de restitution de l'étude complémentaire sur le financement du RAMI, régime d'assurance maladie universelle, ont débuté jeudi. Deux jours sont mis à profit par les acteurs du domaine de la santé de présenter le rapport provisoire sur les principaux défis pour le financement du RAMI et couvrant l'ensemble du territoire. Au terme de cet atelier, des réflexions seront faites sur les enjeux des contributions des parties prenantes pour une étude beaucoup plus approfondie
sur la question du financement du Rami pour tous. Le point avec Maïmouna Guindo. Sur les 20,5 millions de Maliens, seulement 2,9 millions sont couverts par les dispositifs de protection sociale en 2020, selon le ministère en charge de la Santé. La mise en œuvre effective de la couverture maladie universelle demeure donc une préoccupation. C'est pourquoi, après étude, les experts de la protection sociale se retrouvent pour restituer le mécanisme de financement. Docteur Amadou Koïta, consultant principal de l'atelier. Nous, notre rôle, c'est en tant que consultant, c'est de proposer des scénarios d'action pour le financement du régime d'assurance maladie universelle qui doit couvrir à terme l'ensemble de la population du Mali. Diéminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement Social. Parmi les aspects déterminants dans l'opération du RAMU figure la problématique du financement adéquat permettant d'étendre la couverture du risque maladie à plus de 80% de la population et atteindre à terme la totalité de la population. C'est à ce titre que le groupe d'experts a établi sur la base du panel de soins préalablement défini, en l'absence d'une étude sur le financement du régime, des estimations financières déterminant le montant global du financement ainsi que les niveaux de contribution des différentes parties prenantes, l'État, les ménages, les collectivités territoriales, aux différents mécanismes assurantiels de paiement de soins de santé en place. Le rapport en cours de restitution présente des stratégies de mobilisation de financement du régime d'assurance maladie universelle à RAMU. Le RAMU est en cours d'opérationnalisation. Ce régime de justice sociale exige de gros investissements car il s'agit de prendre en charge la santé de tous les Maliens. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES Mali, en collaboration avec la Haute Autorité de la communication, a initié une série d'activités susceptibles de contribuer au respect des principes de conclusion des groupes marginalisés dans les médias au Mali, notamment les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec handicap. Il en est sorti un certain nombre de documents de langage stigmatisant collectés en langue locale bamanankan. Il a été question de discuter et valider la conception du lexique approprié au cours de cet atelier. Le reportage est signé Hawa Adama Koulibaly. C'est parti pour 2 jours de formation des professionnels des médias et des blogueurs. Les fake news et le journalisme sensible aux conflits et aux genres sont les thèmes de ces échanges, combien nécessaires pour ces hommes et femmes à l'approche des élections. Kadia Toussanoko, participante. Cette formation était presque indispensable pour nous, professionnels des médias, parce que non seulement nous sommes dans une période transitoire et les élections sont organisées pour éviter les erreurs du passé qui sont les conflits liés aux élections. Les violences dont il est question se manifeste sous plusieurs formes, avant, pendant et après les élections. Mamadou Dabo, premier vice-président de la Maison de la Presse. Le constat est là, nos élections ne se font plus sans violence. Violence verbale, violence physique. Et ces violences sont souvent contre les journalistes également, qui sont menacés. Et si nous attendons les élections, période de tension, nous allons assister à davantage de pression. Le numérique n'est pas à l'origine des fausses informations, mais la viralité des réseaux sociaux contribue fortement à élargir sa diffusion. Des mesures ont été prises pour limiter les dégâts. Al-Kaïdi Amar Touré, secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Le plan d'action prioritaire du gouvernement de transition 2022-2024 a prévu, à travers l'agence énergétique, la conception des logiciels de gestion et de filtrage des fake news, afin non seulement d'assurer le suivi pour identifier les auteurs et les cibles, des réflexions sont également en cours afin de parvenir à une réglementation des réseaux sociaux, d'assurer une information et une communication saine et vérifiable. À la fin de cet atelier, plusieurs outils et techniques seront mis à la disposition des journalistes pour une couverture saine et objective des élections à venir. Une participation massive au référendum et un vote massif pour le oui au projet d'une nouvelle constitution. Voilà les activités programmées par l'AMCNEM pour soutenir la transition du Mali. Ce plan d'action est décliné aux hommes de médias par l'Amicale qui envisage de former et déployer des observateurs sur le terrain pendant les élections de 2024. Batraoui.
Nous sommes à un tournant décisif dans la vie de la nation et chacun doit œuvrer à ce que le Mali soit un pays uni et indivisible. Ce sont là les mots introductifs du secrétaire général de l'AMSNEM, l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali. L'AMSNEM demande à ses sympathisants un vote massif pour le référendum et le oui pour le projet de constitution. El Hadj Seydou Patrice Dambélé, secrétaire général de l'AMSNEM. En cette phase vitale d'adoption de la nouvelle constitution pour une rédemption de l'État avec le référendum annoncé, l'AMSNEM s'engage à aider le peuple malien, les autorités dans l'organisation des élections libres et transparentes. Pour soutenir la transition dans l'organisation des élections de 2024, l'AMSNEM va déployer des observateurs électoraux dans plusieurs localités. El Hadj Seydou Patrice Dambélé. Nous comptons former 1000 observateurs pour couvrir une grande partie du territoire national. Seydou Kone, le secrétaire à la communication de l'AMSNEM, vient d'être arraché à notre affection. Une minute de silence est observée. Radio Mali, 13h10. Alerté hors de nos frontières. Au Sénégal, des milliers de personnes ont manifesté hier à Dakar à l'appel du mouvement des forces vives du Sénégal F24. Un collectif de plus de 170 organisations politiques et de défense des droits criés il y a un mois qui a été autorisé cette fois-ci par les autorités. La manifestation visait à faire pression sur le président Macky Sall qui, après plusieurs déclarations dans lesquelles il affirmait qu'il ne se présenterait pas à la présidentielle de février 2024, laisse désormais planer le doute sur une candidature. De nombreux manifestants ont aussi dit être venus pour soutenir l'opposant Ousmane Sonko, condamné en début de semaine à 6 mois de prison avec sursis et pour diffamation et injure contre le ministre du Tourisme. En Mauritanie, les élections législatives et locales se tiennent aujourd'hui. Près de 1 800 électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leurs députés, maires et conseillers régionaux. Un triple scrutin qui présente des nouveautés par rapport au précédent et qui présente un enjeu important pour le parti au pouvoir. Et puis en Turquie, plus de 64 millions d'électeurs sont également appelés aux urnes demain en Turquie et à l'étranger pour les élections législatives et présidentielles. Le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis plus de 20 ans, est aujourd'hui confronté à son plus grand défi. 6 partis d'opposition ont uni leurs forces pour ce scrutin, choisissant le chef de l'opposition comme candidat d'union. La Turquie est devenue de plus en plus autoritaire sous la présidence d'Erdogan, selon l'opposition qui cherche à inverser cette tendance. C'est l'heure du sport. On parle essentiellement football. La première demi-finale allée de la Ligue des champions de la CAF s'est disputée hier vendredi. L'affiche entre l'Espérance de Tunis et la Ligue d'Égypte s'est tournée en faveur du grand club du Caire qui a infligé un sévère 3-0 au sang et or. Le Wydad du Maroc reçoit Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud ce soir au compte de la deuxième demi-finale. Sur le plan national, ce vendredi, le Djoliba a essuyé sa première défaite en championnat cette saison à l'occasion de la 17e journée. Et puis, la demi-finale de la Coupe du Mali se joue ce samedi à Ségou au stade Amarindao. Les affiches sont Bakary Diagne, 11 créateurs, et Salman El Bako, Binga FC. Famo Diourté pour résumer l'actualité sportive. La Coupe du Mali de football 2023 arrive à un tournant décisif avec les demi-finales qui se jouent ce samedi 13 mai au stade Amarindao à Ségou. La première demi-finale oppose l'AS Bakary Diagne de Barawuli et 11 créateurs de Niarela à partir de 16h. Les pensionnaires de Barawuli ont éliminé le tenant du titre, le Djoliba AC, en quart de finale au tir au but, tandis que les créateurs sont venus facilement à bout de l'AS Black Star de Badalabou par 3-1 en quart. Dans ce duel, les 11 créateurs partent avec les faveurs de pronostic pour avoir gagné 2 fois le trophée. Dans l'autre demi-finale, le Stade Malien de Bamako joue contre Binga FC. Les Blancs de Bamako et les Rouges de Binga se sont déjà croisés dans cette compétition. C'était en finale de l'édition 2021. Le Stade s'était imposé par 3-2, une finale qui a fait couler beaucoup d'encre. Ce match Stade Malien de Bamako Binga FC est déséquilibré en termes de statistiques. Les Blancs du Stade détiennent le record de titres, 21 trophées, alors que les Rouges de Binga n'ont disputé qu'une seule finale. Les 4 demi-finalistes ont toutes leurs forces et leurs faiblesses, mais une chose est sûre, l'enjeu sera de taille, car les 4 clubs ont tous à cœur de remporter Dame Coupe du Mali 2023.
À suivre les deux demi-finales en direct sur les ondes de la radio nationale. Toujours en football, championnat national de Ligue 1, le leader est tombé. Ce vendredi 12 mai, au compte de la 17e journée, Afrique Football Elite a battu le Djolba AC par 1-0, un but marqué au bout du temps additionnel, 90e minute plus 4. Avec cette contre-performance, le Djolba AC pourrait perdre son fauteuil de leader au terme de la 17e journée si l'AS Real gagne son match contre l'US Bougouni ce dimanche 14 mai à Koulikoro. Le duel des Olympiens a tourné à l'avantage du COB qui a battu Yelen Olympique sur le fil 3-2. Mené 2-0, Yelen Olympique est revenu au score à la 90e minute avant de se faire punir à nouveau en fin de partie. Le match entre les porteurs d'uniforme, AS Police USFAS, s'est interrompu à la 75e minute par une coupure d'électricité prolongée. Le score était de 1-0 pour l'AS Police. Pas de rencontre ce samedi en raison des demi-finales de la Coupe du Mali. La 17e journée se poursuivra dimanche 14 mai. Sur le continent, les demi-finales allées de la Ligue des champions de la CAF sont à l'honneur. La seconde affiche met aux prises le Wydad de Casablanca du Maroc et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Les deux équipes se sont déjà rencontrées dans cette compétition en 2017. À l'époque, les Marocains avaient remporté les deux matchs 1-0 à l'aller et 2-1 au retour face aux Sud-Africains. C'était au stade des quarts de finale. Une affiche de haute volée entre les Sundowns revanchards et un Wydad déterminé à défendre son titre. Coup d'envoi de la rencontre 19h GMT. Ce vendredi, le club le plus titré, dit trophée, de l'histoire de la Ligue des champions de la CAF à la Ligue d'Égypte, s'est ouvert une voie royale pour une deuxième finale consécutive. Son voyage à Tunis a été un modèle de maîtrise et de gestion de l'événement. À huis clos, à cause de la lourde sanction infligée par la CAF à la suite des débordements en quart de finale face à la JS Kabylie, les joueurs d'Alali ont profité de cette décision pour infliger une lourde défaite 3-0 aux Tunisiens. Les Kairotes viennent de mettre un pied en finale de la Ligue des champions de la CAF et de croire à un 11e sacre continental. Pour les 100 et or, il faudra sans doute réaliser la plus grande performance de leur histoire pour croire à un éventuel renversement de situation. Voilà, les demi-finales de la Coupe du Mali à suivre sur les antennes de Radio Mali et son réseau synchronisé. Radio Matina est notre envoyé spécial. Chronique culture et société. La chronique culture et société nous fait voyager dans la contrée de Yangasso, dans la région du sang. Il est question de Ebodola, une pratique culturelle ancestrale qui consiste à glorifier la jeune fille. En clair, un rite ancestral pour valoriser la jeune fille, je disais, mais c'est-à-dire encourager celle qui a eu un bon comportement et décourager celle qui aura faim à la règle, par exemple, avoir un enfant avant le mariage. Une manifestation donc qui se déroule en période pré-hivernale. Le récit de Alpha Maïga. Bodorola. Le Bodorola, une manifestation culturelle. La pratique se passe à Yangasso, dans le cercle de Bla, région du Sud. Yangasso, comme son nom l'indique, Bakary Dambélé, ressortissant de Nyangasso. C'est un village bambara, ça veut dire ici c'est chez moi, Yangasso. Bodorola, ça veut dire présenté au public du marché. Et qu'est-ce qui est présenté au public du marché? Il s'agit des jeunes filles et garçons qui ont pratiquement le même âge et qui ont l'âge à peu près de se marier. Ce rite ancestral contribue à promouvoir l'éducation de la jeune fille, une valeur sociétale. La pratique même du Bodorola, une femme qui n'a pas été présentée au public, c'est-à-dire qui n'a pas été Bodorola, c'était une honte. Parce que toutes les filles à l'époque ne présentaient pas à ce rite-là. Parce qu'une fille qui a eu un enfant ne se prêtait pas au jeu. Alors s'il s'hasardait à se présenter au public, alors c'est un mauvais sort qui allait la suivre durant le restant de sa vie. Mamadou Dambélé, dit Dabara, artiste musicien. Bodorola, c'est un truc secret. Et puis c'est au village. Chez nous, toutes les filles, son papa et sa maman, font la bénédiction. Il faut que ma fille fasse Bodorola. C'est comme ma fille garde son virginité. Bodorola, il y a une place qui est la place secret. Coutume, on parle là-bas. Mais si tu as fait grossesse, tu n'es pas allé là-bas, sinon tu vas mourir. Et si tu as avorté, tu es en caché. Si tu es parti, les jours là, les gens vont savoir. Le Bodorola est donc une manifestation culturelle ancestrale, autrefois pratiquée en période pré-hivernale pour magnifier les jeunes filles. Au moment où les jeunes filles qui étaient parties à l'exode vers les grandes villes, Bakary Dambélé, ressortissant de Nyangasso. Au moment de leur retour, l'événement est fait en ce moment-là pour encourager celles d'entre elles, les jeunes filles qui ont de bons comportements, et pour décourager ceux qui auront enfreint à la coutume et à la pratique
ancestrale. Le but était de glorifier celles qui ont su se préserver. Donc, toutes ces chansons-là, c'est comme on fait la messe au Ortem. Le chanson chante parce qu'à ces jours-là, il y a des belles filles qui sortent. Ils sont faits des habillements. Maintenant, on chante les morceaux-là. Si sont 30 personnes, 40 personnes, tu dis un à un tout. Quand tu t'en toi, si tu as des moutons, si tu as des chèvres, tu as l'argent, tu viens donner, ton mari vient, on fait des vengeances comme ça sur le terrain. C'était une sorte de foire, le lieu propice pour détecter l'épouse idéale et honorer les familles ayant reçu dans l'éducation de leurs enfants. C'est les femmes qui préparaient les jeunes filles. Alors, ils faisaient le tour des arbres sacrés de nos villages, comme pour dire que je suis propre et ma virginité, dans la plupart des cas, au public, pour que le public sache que mes parents se sont bien occupés de moi. Ils chantaient à leur propre louange. Et l'instrument traditionnel qui les accompagnait tout ça, c'était le balani. Même s'il y a 60 filles qui font bodogola, il y a 60 balafonistes. Parce que chaque fille, son mari amène avec son balafon. Ils jouent les balafons. Si on n'a pas trouvé des balafons, on préfère des reporter des bodogola jusqu'à trouver des balafons. La manifestation avait cessé depuis une trentaine d'années, mais le festival de l'action à l'aide pour le développement de Yangasso, qui se déroule depuis plus de 3 ans, permet de valoriser cet aspect important de notre culture. En clair, pousser les populations à s'impliquer davantage dans l'éducation, surtout celle des jeunes filles. Bodogola, un patrimoine appelé à être inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, et cela pour l'avenir et le devenir de la contrée de Yangasso. Voilà, sur cette note culturelle, je te referme ce journal pendant qu'il est 13h passé de 21 minutes à Nonsambougou dans le secteur de Kourokani et à Badogo dans le secteur de Yanfolila. Un journal qui vous a été présenté par Isaac Tchenou avec la complicité technique de Abse Traoré. Mise en ligne, Sekou Traoré, réalisation de Seba Badiara. Merci à Abraham Traoré pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. De cela, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps, suivies du journal international avec Mohamed Sangaré. Et pour ma part, je souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.